Et à ceux qui sont là, merci d'être restés. Et ton disque, on peut l'acheter? Mon discours? Ton disque. C'est ce que j'avais fait à acheter, moi. Non, mais attends, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, on n'est pas encore au commerce. On est dans le milieu artistique. Non, ce soir, on ne va pas trop rigoler. Enfin, si. Si, il va y avoir un peu d'humour, bien sûr, mais ce soir, moi j'ai envie de ce disque, le disque que je vous propose, donc, c'est pour faire réfléchir. Et on ne réfléchit pas en rigolant, en général. Il faut bien réfléchir, il faut être concentré. Voilà. Alors, c'est gentil de venir écouter ces élucubrations. J'ai fait plein de styles, hein, mais là, j'essaye ce truc-là de réflexion. Voilà. Le dernier CD que j'ai fait, donc, qui s'appelle « À gauche toute », avec un point d'exclamation, il vaudrait mieux dire « À gauche toute », point d'interrogation. Le CD, je l'ai fait à Venel, au studio de Jean-Paul Bondifala. Pourquoi lui? D'abord parce qu'il est à la campagne et que c'est facile pour se garer sans risquer de se tromper. Et ensuite aussi et surtout parce qu'il travaille bien. Un peu comme Jeff Horner, ici présent, vous pouvez applaudir. Alors, pour se faire élire, François Mitterrand, non, pas François Mitterrand, François Hollande. Pays-Bas. Hollande. Hollande. François, Hollande, pardon. François Hollande, Pays-Bas, avait dit « Mon ennemi, c'est la finance, et je la combattrai. » On voit aujourd'hui le résultat de son combat. Dans la mer sociale déchaînée, il est urgent de mettre la barre à bâbord, toute, pour éviter la collision avec le glaçon banque. Les chansons n'ont jamais transformé le monde, mais elles peuvent aider à la compréhension et avertir d'un danger imminent. Les gouvernements se succèdent et se ressemblent. En fait, c'est toujours pareil. C'est toujours le même qui brille, c'est toujours le même qui rit, c'est toujours le même qui brille, c'est toujours le même qui brille, qui prie pour que la vie soit belle, la loi du plus fort soit bannie, que le respect de l'éternel soit enfin un mode de vie. Ce qui rend les hommes doutent les frustrations, ne les chantent plus.
c'est nous, c'est moi, qui ferons que ça soit ou pas. Le bonheur, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça le bonheur. Mais c'est toi, c'est nous, c'est moi, qui ferons que ça soit ou pas. Sur cette terre s'il n'y avait pas cet esprit de lucre et de profit immédiat, mais un esprit de partage et d'entraide. L'amour serait facile et naturel, comme le réveil du printemps. Vous pouvez rêver, non? Sans queue ni tête, et les écorchés du cerveau.
soir. Dans la galerie, je suis enfin seul avec ma momie. Si fine, ma tendre momie, aux longs cils de soie, aux cheveux d'ébène, striés de fuchsine, à des lèvres d'or, si douce pour moi, ma poupée d'amour, la nuit. Yeah.
dans un sommeil anéanti. Ça s'agitait, ça se bouscule dans une mer d'assoupis. Alors la chouette hurle, les anges dansent au paradis. On y
bois du vin blanc, t'as un micro. Non, c'est pas du vin blanc. C'est un vodka. C'est du rhum. Non, c'est, je vais vous dire ce que c'est, ça peut vous aider plus tard. C'est pour la voix, non? C'est pour la voix, c'est du plantain. C'est une infusion de plantain. Avec un plantain sauvage qui pousse comme le chien blanc. Tu mets pas un peu de calva quand même dedans? Chut. Non, ça va pas. Non, ça va. Ah non, si tu mets de l'alcool, ça te durcit les cordes vocales déjà que les miennes sont un peu. Mais la vérité dans le vin, dit-on, et plus généralement dans l'alcool, ça plisse les yeux et ça fait voir le monde plus embrumé. Ça estompe les imperfections. Dans un sens, tant mieux. Ça désinhibe le cerveau. On peut dire « je t'aime » à qui on veut et faire la plus belle chanson du monde dans un cri d'amour. Salut David, voici une chanson qui, je le pense, conviendrait à ton délire de bluesman dépressif. Si ça te tente, je te la donne. Super. J'ai adoré.
Je ne fais pas assez de chansons engagées, vu que je pleure tout le temps sur ma dépression. Et là, c'est une chanson engagée, parce que Richard est un homme engagé. Et à gauche toute, moi je suis à fond, pareil. Voilà. Mélenchon, il a raté le second tour de 600 000 voix, ça fait chier. Ils ont tous eu peur de Le Pen, mais si on avait voté un peu plus à gauche, ça aurait changé le truc. Peut-être ça aurait pas changé, comme explique Richard, tous les gouvernements sont pieds et poings liés par les banques. Donc. Mais je pense quand même que dans Mélenchon, il y a une sacrée équipe de zozos. Et ils sont intéressants, ils ont fait un beau programme. En tout cas, leur programme. Tu viens nous faire un discours électoral. Non. Non, mais je pars du principe, à gauche toute, et cette chanson, c'est à gauche toute. Ah, parce que Mélenchon est à gauche, bon, d'accord. Non, Mélenchon, son équipe, oui. Ah, d'accord. Voilà. C'est, je parle pas. Les mecs qui veulent être président, ils ont un ego surdimensionné. C'est pas. C'est bon. De toute façon, je suis anarchiste. Donc. Alors, si tu veux. Allez. Inquiétude, ça s'appelle. Je suis inquiet, mais je rigole beaucoup. Là. Les ombres noires qui m'obsèdent dans ma cervelle malmenée et mes souvenirs qui se perdent dans les replis de ma pensée. Je cherche encore où est ma place. Si je suis laid, si je suis beau, pourquoi la pluie mouille ma face quand je regarde vers le haut? Ne t'inquiète pas, tout va aller. Ne t'inquiète pas, tout va aller. Par des gens plus ou moins tocards qui s'acharnent à tout massacrer. Je ne sais plus quelle est ma race, qui dois-je haïr, qui dois-je aimer, lècherai-je au moins une trace sur le sable d'éternité? Sur le sable d'éternité! Si la haine de l'autre est trop forte, copieusement alimentée. Encore ce qu'il faut faire pour que la vie soit profitable.
semblable à tout ce qui est sur la terre, sans hiérarchie abominable. Thank you.
sache déjà. On parle de mort, de raison, de tort, mais jamais de toi. Merci beaucoup, Jeannette. Heureusement que vous êtes là. Ça fait chaud au cœur parce que j'aurais aimé de mon vivant. Les bibelettes, là, c'est fini. Parce qu'elle tout sort. J'aurais aimé donc de mon vivant être reconnu par la profession, mais comme un chanteur, un peu poète, un kikineur certes, mais quand même vrai. Ah ben non. Les antiquineurs ne sont pas bien vus par les professionnels du Shaolin. Ce qui est normal dans un sens, hein, parce que eux, ils vendent de la soupe pour abrutir les gens. Ils ne vendent pas des trucs pour faire réfléchir. Il faut bien y penser. C'est pour ça que c'est un peu anachronique de réfléchir dans un tour de champ. Pourtant, quelle avancée dans l'empire des sens et dans l'évolution de l'espèce ça aurait été. La réflexion aurait grandi et le monde deviendrait beau, très beau. Merci. Ah, la machine est d'accord avec toi. Ouais. Quand tu parles de monde beau, elle la ferme. Et je voudrais remercier Bruno Durruti, pour ceux qui le connaissent, il y en a qui le connaissent, parce que c'est lui qui m'a inspiré cette chanson. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis trop vieux pour espérer, selon l'INSEE, durer encore assez d'années pour devenir un chanteur indispensable. Ça m'attriste et ça me déprime, qu'il faut changer de pseudonyme, de répertoire impresario, mais je ne change pas d'idée. Misère des âmes et par contre-coup celle des corps.
Mais encore, faudrait-il que le business ne vienne pas s'immiscer dans l'affaire et qu'une ombre ne rôde. Elle marche tout droit dans la nuit, dans le froid, personne ne la voit. C'est une ombre, un soupir que le vent fait frémir chaque fois qu'un sourire fort, issu de fort sang.
sorti de la fange du peuple d'en bas, devenu un ange presque malgré moi. Je suis un esprit qui voyage, souffle de vent intemporel, comme une idée je me propage. S'adapte aux nouvelles techniques de recrutement, tout simplement, et moi j'ai la solution.
Vous allez voir, je l'ai communiqué. Et crois-moi, ça vaut le coup. Pour faire face à la crise, de foi dans nos églises, j'ai créé un petit business. Des hosties artisanales, des parfumées au gingembre à consommer le 2 novembre, jour des morts, pour les athées et les estelles. J'en ai au piment d'Espelette, j'en fais aussi au jambon, ou la belle crème marron, et pour les accros. Je propose des gargarismes au jus de belladonna ou au pavot de Panama. Pour les athées, pour les excités antichristes, les chauds du bon et les papistes, j'en fais aussi à la morphine. Il y a celle à la marijuana, les saupoudrées à l'héroïne, les roulées à la cocaïne. Pour les mettre, j'ai mis au point une hostie en pâte de coin, marinée dans le champagnien, gourmandise pour les chrétiens. Depuis, ça ne les emplit pas, le curé en reste baba. L'archevêque m'a nommé vicaire et m'a demandé pour prévienne de mettre au point le marketing pour encourager le dumping et favoriser les franchises dans les moindres petites églises. Sa grosse, il est même question que Dieu me donne une chair aux yeux. C'est la réussite intégrale, l'ascenseur divin qui s'installe, le summum de l'échelle ecclésiaste. J'suis le messie iconoclaste. Ici en train de faire des vignoles et le zozo. Non, ah non. Et puis, si ça avait été vrai, il l'aurait dit à la télé. Ah ben oui, en expliquant le pourquoi du comment et ce qu'il faut comprendre. Parce que on est un peu con, on a du mal à comprendre par nous-mêmes. Hein? C'est vrai. Alors voilà, le discours, que faut-il comprendre du discours du président? Ben, je ne sais pas. Alors, enfin, on est un peu con, c'est pour ça qu'il nous dit. On les aura, mon camarade, tous ces pourris, tous ces pédants. Jamais dans ton rade, mais qui se pavane à l'écran, qui disent qu'on est beaucoup trop con pour comprendre la vie des nations, qu'il faut donner pour la recherche, pour le cancer, pour le sida, pour les riches qui n'ont plus la pêche, pour sauver leur pouvoir d'achat. Comme
avant le mois, à l'occasion d'une parade, des gerbes de fleurs à la main, sortant de son canon sans âme, ce n'est que moi entendre nos larmes. On les aura, mon camarade, eh oui, on les aura, mais je sais plus comment ils aura, mais on les aura quand même. Je vais être là-bas. On les aura, mon camarade, à l'usure par l'inanition. Éducation nationale. Donc forcément, il sait très bien l'histoire de ça, que du 12, ça passe à 13, et non pas à 1. Bon. Non. Une bonne guerre mondiale, ça met les pendules à l'heure, le compteur à zéro, pour lui faire plaisir, et après c'est reparti pour la reconstruction. Et leur prospérité, ils recommencent. On reprend les mêmes, on recommence. On ne va pas changer, on recommence. Mais à zéro, quand c'est cassé, et bien on reconstruit. Mais quoi, la guerre, en fait, c'est qu'un mauvais moment à passer. Hein.
une sorte de purge radicale. Moi, Emmanuel Macron, j'aime les moules et le jambon. Et tous les 14 juillet, je les prends au supermarché. Comme le coq aime la poule, comme le drogué son ampoule, moi, Macron, j'aime les moules. En marche, a pris la bave du vaisseau, soutenu par ma matriarche, nous irons dans les gouffres abyssaux. Comme la vache aime la bouse, comme les picuriens, les partouzes, moi Macron j'aime le fou. Armée, je suis le seul à commander, et avec mes soldats de plomb, je m'amuse le soir dans mon salon. Comme l'enfant aime sa mère, comme le ver aime la terre, moi Macron j'aime la terre. S'oublie, je pourrai paresser au lit, et tous ceux qui ont voté pour moi pleureront profond dans le baba. Comme la vaisselle aime l'éponge, comme le fer la rouille qui le ronge, moi Macron j'aime le mensonge. Remercier mes sponsors, mes amis riches et consorts, je prendrai à ceux qui n'ont rien pour qu'ils deviennent des moins que rien. Comme le fric aime les riches, comme le macho les godiches, moi Macron j'aime la triche. Je briguerai un autre mandat, et à coup de publicité, je resterai peut-être à l'Élysée. Aime les fesses, comme les lecteurs, les promesses. Moi, Macron, faut que je m'en dresse. Et le fric, toujours le fric, rien que le fric. Voilà mon témoignage sur la réalité de notre monde en 2018. Il n'y a plus que Dieu pognon. Voilà, je dis la date, comme c'est enregistré, dans 5 ans, il le retrouve. Mais quand cette gabegie s'arrêtera, hein, et on pourra alors regarder son voisin sans songer au profit qu'on pourrait tirer en fouillant dans ses poches. Il y aura un espoir pour une vie de plénitude intelligente, et nous aurons notre place parmi les êtres de lumière. Mais quand ? Hein ? Oui, quand ? J'ai besoin de fric, je veux du pognon, l'argent qui enchique le blé qui sent bon, tous les sous du monde.
ma possession. J'aurai la Joconde au mur du salon. En plus des tableaux, j'aurai le respect de tous les bobos et des trousse-mets. Et bien sûr, les filles, les belles triconnes, celles qui m'habillent mes potentes. D'aujourd'hui, ça veut dire lèche-cul. Tout simplement. C'est mieux que suspect. Voilà. C'est terminé pour ce soir. Bravo. Bravo. Alors, présent, mesdames et messieurs, une page de publicité. Achetez mon CD. À gauche, toutes. Avec un point d'exclamation. Mais voyez-y plutôt un point d'exclamation. À gauche, toute. C'est plus réaliste. Voilà. Bon, on se retrouve en haut si vous voulez pour partager un pot. Le chapeau. Et le chapeau, la tombola. La tombola. Ah, la tombola.